La Alors, vitesse cette, cette petite découverte de la jungle. Splendide. Sauvage. Ouais. Magnifique. Puis la marée, la vitesse que ça remplit, tout ça, c'est incroyable. C'est emporté. Tu fais quoi, Michel? Je cherche l'autre bouteille de sirop. Ouais, ouais, du sirop. Ouais, ouais. Bah, c'est regarde, ça. C'est du sirop. Ouais. Hein? Ouais. C'est pas par là, la mec, hein, le rhum de Jean-Pierre. Eh. Oh, eh. Tu fais quoi, là? Je fais un petit peu d'ordre dans le bar. Que... Ouais, il y a du sirop là. Oh, il y a du sirop là. Bah, donc, je dis, on a des Michel. Gens bien, on a des gens tellement bien qu'on ne boit pas d'alcool. Ouais. Santé, Corinne. Santé. Il ne semble pas qu'il soit au fond, vraiment. Qu'est-ce que vous faites là, les garçons? On essaie de trouver le miracle de l'enfoncement du sondeur dans son puits. Vous avez sécu, les mecs. Non, je suis en train de contrôler la météo pour demain parce que c'est vachement important de voir ce qui va se passer, si on aura les vents qui vont être avec nous, parce qu'on a quand même une grosse nave de prévu. On aura à peu près 10 000 à parcourir dans des conditions relativement complexes, parce qu'on va être obligé de partir plein nord pendant une quinzaine de minutes. Après, on va prendre plein est et théoriquement, on va avoir le vent de face. Donc, à savoir si on va tirer des bords, ou si on va foutre une heure et demie de moteur pour pas se compliquer la vie, quoi, voilà. Jean-Pierre, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Omelette aux chanterelles d'automne, avec oignon blanchi et un peu d'ail. Et puis, j'espère qu'il reste que quelques aiguilles de sapin pour donner un peu de goût et un peu de croquant, là, mais ça devrait être pas mal. Okay. Vous m'en direz des couleurs. Tu me dis quand tu pleures, hein, je te filme. Mais je pleure pas, moi. Je respire par le nez. Paraît-il que ça marche. Voilà les chanterelles qui ont trempé un petit moment. Là, il y a combien de routes? Voilà, on fait revenir un peu les oignons. On les blanchit, je crois que ça se dit en cuisine. Hein. Oui, c'est ça. Voilà, les chanterelles. À feu doux. Ouais, 10 minutes. Voilà, donc on va mettre l'omelette sur la moitié. Les chanterelles. On va en laisser pour la deuxième.
Voilà. Comme ça. Oups. Et maintenant, c'est là que c'est délicat. On va la recouvrir. Et voilà, un sandwich aux chanterelles d'automne. Ah, c'est pour les filles en premier. Hein. Non, on coupe en quatre et puis après on refera. Ah, d'accord. Voilà, le sel, le poivre. Dans le jardin de Peter à Ungunja, donc c'est le vrai nom de l'île de Zanzibar, dans sa propriété, et puis là, il nous a fait sentir plein de senteurs, clou de girofle, cannelle, je sais plus, plein de choses qui poussent sur son terrain là autour. C'est incroyable, c'est beau. Ah oui, il a plein d'arbres, des orangers. Et puis il y en a encore quelques-uns qui sont en fleurs, les fleurs d'oranger, mais c'est vraiment l'odeur incroyable. Et quand on est venu en voiture en arrivant ici, ça sentait sur le chemin, sur la route, la fleur d'oranger, mais dans toute la nature. Ouais. C'est ça que les hindous ils mangeaient après le repas. C'est le cardamone, les graines de cardamone qui sont à l'intérieur d'une petite boule, ouais. Comme ça. Ça, c'est la plante. Ouais. Là, ça pousse ici. Tu vois ? Ouais. Ça sent fort. Hein. Ouais. Old Spice, il y a tous les parfums là-dedans. Ouais.
black, white ou green pepper? Green, il n'y a pas. Ça devient noir quand on le sèche. Ouais. Et j'ai du poivre blanc. Donc le poivre blanc. Le poivre rouge, ça n'existe pas. Ouais, c'est un colorant. Non, c'est une plante d'Amérique du Sud qui n'a absolument rien à voir avec le poivre. D'accord. Donc tu peux faire du poivre rouge quand là il devient bien plus gros et il tourne du vert. Tiens. Quand il est vraiment mûr, tourne. Ouais. Voilà. Ouais. Tu vois? Il tourne au rouge. Donc maintenant, si tu veux. Pour garder le rouge, il faudrait le mettre dans une espèce de vinaigre ou de l'eau salée pour le garder comme ça. Ça ressemble à une orchidée et en fait c'est de la vanille. Et c'est la seule orchidée, donc c'est Peter qui m'a dit, c'est la seule orchidée que tu peux manger. Ouais. Voilà, il fait pousser de la vanille. Il grimpe le long de cet arbre. Et qui se nourrit de la sève. Regarde. Tu peux ouvrir là. Oh, mais c'est beau, regarde ça, cette couleur. Ouais, c'est sympa. Hein? Ouais. Ça, c'est noix de muscade. Enfin, là, on voit l'écorce de la noix de muscade. Voilà, oui, bien sûr, la noix encore est plus bas. Dedans. Ouais. Ouais. Et avec ça, les Indiens, ils font un curry aussi. Ah! Ouais. Alors, celui qui dit qu'un catamaran, c'est pas stable, regardez voir à quoi on joue sur un catamaran. On joue au Jenga. Donc, on tente de jouer au Jenga. Mais c'est impossible, c'est impossible. Je t'en enlève 4, sans problème. Aïe. Faites que ça tombe. Zoom arrière. Attends, j'ai un petit espoir. Ah oh ben non, comme je la vois là. Ouais. Bingo. J'ai pas eu temps de mettre. Bravo. D'ici un instant, on va voir apparaître le ferry Kilimanjaro. Petite machine avec deux moteurs de 3500 chevaux, 500 passagers, et qui va à plus de 60 km/h, 33 nœuds, depuis Stone Town à Dar es Salaam en environ 1h30. Je tenais à remercier Fabien de Rimbo World. Je vous mets le lien en bas. Hein. C'est les tracés animés que vous voyez de Javerne sur une carte. Il a adapté une application à la sauce Javerne. Je tenais à le remercier là. Et tous les tracés que vous voyez maintenant sont faits avec cette application que vous pouvez utiliser, hein, qui est absolument gratuite et qui est pour tout le monde, voilà. Donc si vous voulez un petit tracé sympa, vous pouvez utiliser l'application. Et puis, je profite de cette fin de vidéo pour vous montrer tout le tracé de Javerne que vous voyez défiler, de tout ce qu'on a déjà fait, de tout notre parcours en 5 ans. Voilà, et puis je vous remercie beaucoup pour votre soutien. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. On sort une vidéo par semaine en général, hein, quand tout va bien. Voilà, gros bisous à tous, à la semaine prochaine et encore merci beaucoup pour votre soutien.